tous, aujourd'hui on est au parking devant la CGOA des simulateurs de vol de La Rochelle. On a été accueillis hier soir par l'équipe de Benoît, on a passé une très bonne soirée sur La Rochelle avec un bar qui s'appelle Les Têtes Brûlées. Le gag, je ne croyais pas mes yeux. Exactement, super, déco excellente, ambiance d'enfer. Donc ce matin on va faire un tout petit vol, on va aller sur Arcachon. Donc on va décoller de La Rochelle face à la mer puisque le vent vient de la mer. On va demander à monter rapidement à 3000 pieds, c'est ce qui nous a été préconisé par les pilotes locaux. On va faire le trait de côte de l'île de Ré, en passant Saint-Martin-de-Ré, qui est une ville fortifiée, Vauban, médiévale, qui devrait être relativement jolie à survoler. On va monter au phare des baleines, qui est le point le plus à l'extrême nord de l'île de Ré. Et de là, on va se mettre gentiment en descente, enfin en descente, en restant à 3000 pieds. On va descendre vers le sud pour survoler l'île d'Oléron. Quand on passera Saint-Pierre-d'Oléron, en fait, il nous a dit, tu fais une directe verticale Fort Boyard, et après on ira Fort de Fouras. On va passer au-dessus de Marennes, et à Marennes, on va tirer droit sur Royan, passer l'estuaire de la Gironde, suivre le trait de côte jusqu'à l'entrée du bassin d'Arcachon. Et théoriquement, d'après la carte VAC, on devrait passer par le point Papa, qui se trouve au nord de la dune du Pilat, pour faire une vente arrière sur la piste 25 d'Arcachon. Puisque vu que c'est un vent de mer à La Rochelle, on peut l'imaginer qu'Arcachon, ça va être la même chose évidemment. Et au niveau d'Arcachon, on se mettra donc sur la piste 25. On verra en fonction des consignes du contrôleur. Voilà. Après, au niveau de la traversée ici, en fonction des conditions, mais qui devraient être quand même relativement bonnes, on pourrait peut-être faire un petit crochet par le phare ici, je ne sais plus combien il m'a donné le nom, le phare je ne sais quoi, qui se trouve un peu à l'embouchure de l'estuaire. Voilà pour la vol. On va mettre en route l'avion. Hop, bon, on met ça là. Ok, il n'y a pas de souci. Là, on laisse faire l'initialisation du FADEC. On va mettre en route, enfin, on va mettre sous tension l'engine master. Voilà. Mais regarde qui c'est qui s'ouvre à gauche. Ah, on va vérifier que le débattement il est optimal. Il nous a pas retenu le soleil en plein poids. On est à 100%. Ok, le glow lui il fait son œuvre. Donc il est en train de nous chauffer. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais en remettre un deuxième coup. Voilà, comme ça les bougies seront. Puisqu'on a vu que le matin pour démarrer il a un peu de mal. Sécurité, on n'a personne aux abords. La fourche, je l'ai mise à bord hier soir. Ouais, je l'ai dedans. Le cache-pitot, il est bien rentré. Sécurité, ok, on n'a personne aux abords de la machine. C'est parti. Alors, on le faire deux fois. Tranquillou, bilou. Il faut faire un double préchauffage. Ouais. Même s'il ne fait pas froid, c'est quand même mieux. Du coup, là, il continue à s'y refaire un cycle. C'est pas bien grave. Je le rejette sur la Kilo Romeo, pénétrer, remonter la 09, alignez-vous, rappelez près départ. Je pénètre la 09, je remonte la 09, je m'aligne et je rappelle près au départ Kilo Romeo. Tracteur de la tour. Oui, je suis en tracteur. Oui, si tu peux libérer, j'ai deux départs 09 prévus. Au-dessus, je libère. Mais tu vois, en novembre, rouler point d'attente Alpha. On roule point d'attente Alpha, faut que ça en novembre. Ah, ben on décolle en 09, putain. Ouais, Guépar Yankee, bonjour. Guépar Yankee, bonjour. Guépard Yankee, information Charlie Copier, 3 personnes à bord avec 1h40 d'autonomie, mise en route et embrayage pour 1h de vol local, donc d'entraînement aux procédures de panne moteur sur la piste et en vol. J'ai reçu Guépard Yankee, la mise en route approuvée, le QNH 1022, rappel pro déplacement. Je regarderai, tu as... C'est dégagé pour tracteur. Ok, merci. J'aimerais savoir si c'est une main gauche ou une main droite. Hein. Là, je veux revoir, encore. Mafia to 5, you can leave frequency so long. On va partir sur la ville pour venir là-bas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, il faut partir de la 09. Bah, le vent il est. Ouais, bah tu vois. Le vent il est plein de travers. Ah, hein, il donc, est travers, donc ouais. On va avoir une belle dérive au décollage. Et donc, décollage face au vent, qu'avec un vent de travers, hein, on décolle. Dès la rotation, là je mettrai le manche au vent. Ouais. Pour contrer la dérive. Manche au vent, pied opposé. Toujours le pied opposé, évidemment. Parce que quand je vais avoir l'avion qui va se mettre comme ça, il va falloir mettre le pied à droite pour récupérer. Voilà. Ouais. Pour éviter d'être trop en glissade. Donc c'est bon. Tout est on, sauf le
repos, c'est sans objet. Les freins, c'est OK. On a un cran volé. Tel qu'il remet, autorisé décollage 09, vent 0,20 degrés, 10 nœuds. Tel qu'il remet, autorisé décollage 09, c'est pour le vent. Ah, il va décoller, tu vois, lui aussi, il remonte la piste. Alors, je n'ai pas parlé hier soir, mais en fait, souvent, les assureurs, quand tu as un crash au décollage, enfin, un crash, une panne ou peu importe, qui amène à l'avion à être abîmé, si tu n'as pas remonté la piste, ils vont t'emmerder. Parce qu'ils vont te prouver, alors ça dépend le crash, si tu te crashes 10 km après, je dis pas, mais si tu te crashes en bout de piste, ils vont te dire, mais si vous, monsieur, si vous avez décollé au bout de la piste, à la panne moteur, vous aviez le temps de vous reposer sur la piste en dur. Ouais, voilà. Et là, il te charge des emmerdes. Et là, tu as tout dans ton cul, hein. Voilà. Ah, il fait une belle rotation avec son PA28, là. Tango Novembre, pénétrer, remonter à Condense, la 09, alignez-vous, rappelez pré-départ. Fox Tango Novembre, on pénètre, on remonte la 09, on s'aligne, on vous rappelle pré-départ, Fox Tango Novembre. J'espère que vous penserez à louer sur votre blog l'accueil du service du contrôle Rochelet. Hein. Affirme, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu d'Avignon exprès. C'est une très bonne raison, et c'est une très bon terrain de provenance. Un ancien contrôleur d'Avignon à côté de moi, là. Ah. Non, ça... Voilà. Très sympa. C'est le petit mot sympathique, tu vois. Très sympa. Là, ça doit être la zone où on a mangé hier à midi, le restaurant. J'ai vu qu'on n'était pas très loin des zones de l'aéroport. On était là-bas, là, près du... Oh, le CGOA. Très bon accueil. Ah ouais, mais fantastique. Super soirée. Grosse discussion, simu essentiellement. Et pas que. Ouais, bah ça doit être là-dedans, effectivement. À droite, peut-être, le bâtiment gris, là. De ceux-là où il y a les bateaux là, ouais. Ouais. Ah, c'était... Où il y a l'appel mécanique même, non? Ouais, avec les volets rouges là. Derrière, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Hop, là il disparaît, voilà. Bon accueil au resto, sympathique. Belle vie sur le pont là-bas. Ah ouais, bon, on va le survoler le pont d'ailleurs. Hein. Ah oui, bien. Et ouais, on va le survoler. Alors on sera certainement sur la droite du pont. Et on va le survoler, ouais. Alors contrairement à celui qu'on a sur le cimetière, t'as vu celui-là, il y a des lampadaires. Ça a l'air d'être des lampadaires. Hein, ouais, tout le long de son cheminement. Ah, on va avoir le soleil de face encore là. Pour le décollage, ouais. Après, ça semblera de côté. Bon. Allez, manche à gauche déjà, tu vois, comme ça. On va checker, dernier check. Soleil, là. Fox Tango Novembre, piste 09, autorisé décollage, vent 0,20 degrés, 10 nœuds, appelé pour quitter. Autorisé décollage, piste 09, Fox Tango Novembre, on pourra faire un virage par la gauche? Affirme, passant 1000 pieds en montée, cause riverain. C'est bien pris, monsieur. Autorisé décollage, piste 09, Fox Tango Novembre. Allez, c'est tout bon, on est bon? Allez, ok. Parti. La peau. Allez, la puissance est affichée. La Rochelle, qui est pas dans qui? Le jardin étatif. Oui, on est paré roulage pour le point d'arrêt Charlie dans un premier temps pour un réglage de la machine. 59, on maintient Charlie, la machine au sol. On roule le Charlie et pour votre information, on sera face au vent. Rotation. Ouais, c'est reçu. 0,10 degrés, 10 nœuds. Merci. Et juste pour mon info, Rescue Hotel, c'est quel type d'appareil? Il vient d'où? J'ai un Rescue Hotel au ras des flots, là, au large d'Oléron, qui tourne depuis un petit moment, là, mais je ne l'ai pas en contact. Bon, la dérive est pas énorme, tu as vu? Alors là, je ne peux pas vous dire. Ouais. C'est un marin. Ah, il y a Yvon qui s'apprête à décoller. Ouais, j'ai 239 sols au ras de l'eau, donc je pense que ça doit être un Falcon ou un truc comme ça, peut-être. Ouais, je pense aussi. C'est reçu, merci. Yeah.
les consignes, c'est 1000 pieds avant le premier virage, donc on monte dans l'axe. Un petit château à gauche, on est un peu chargé, donc c'est pour ça que le taux de montée n'est pas très, très élevé ce matin. Hein. Tour de tracteur, je peux reprendre mes activités. Affirme pendant quelques minutes et ensuite je vais avoir l'hélico de la marine qui fera des exercices sur la piste. Bon bah reçu, je te remercie. Je suis resté hors servitude. Oh, Echo 2000 pieds. J'ai reçu Kilo Romeo pour info, les zones de cognac actives 3000 pieds et au-dessus. Roger, cognac active, Kilo Romeo, merci. On va arriver au niveau de la 4 voies, là, on va pouvoir faire un virage à gauche. Hein. Allez, virage à gauche, un milieu de pied. Bye bye La Rochelle. On va éviter les habitations, on va aller chercher le vert. Ouais. Pour passer entre les deux. Voilà, on a la piste à gauche, là on est en vent traversier. Donc les feux de décollage sont éteints, la fuel pump est éteinte, les volets ont été rentrés à 300 pieds. On poursuit notre montée. Pour l'instant je vais rester à 1500. Bon ça on reste avec lui. Stabiliser à 1500 pieds. Un petit coup de compensateur pour tu vois, soulager la manœuvre au niveau du manche. Il faut que quand tu lâches le manche, tu vois, l'avion reste bien en palier. Ouais, ouais, ouais. Et là, il est trimé. Et là, il est trimé, ouais. Voilà. C'est impressionnant. Et voilà. Fox Tango Novembre en vente arrière, piste 09, main gauche, pour rejoindre le nord de l'île de Ré. 1500 pieds au QNH 1022. Tango Novembre, c'est bien noté. Ça fait aussi de l'information de trafic pour les autres avions. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il le situe sur le circuit. Et on a des tankers là-bas. Voilà. Il y a le parking où on était garé tout à l'heure, là-bas. Ouais. On profite du paysage, là. C'est joli, hein, ouais. C'est rigolo, là. T'as vu qu'il changeait de couleur, là. Ouais, 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 ouais. T'as vraiment la sortie de l'estuaire, là, et puis... Hein. La Rochelle de France Douane 56, 16. Vous avez vu, là, ça fait des falaises, en fait. Regarde, ça fait des falaises sur le sol de la piste. 56, 16, bonjour. Ouais, c'est marrant, on imagine pas. 16, hein, c'est 5, 406 en patrouille maritime. Ça serait bien là, le jour où il y aura de la 3D là, ça sera chouette. Hein. Ah ouais, mais c'est une région qui est super. 56-16, donc le message a été coupé, répété. Oui, 56-16, pour vous informer qu'on va travailler en patrouille maritime entre l'île de Ré et Oléron, éventuellement jusqu'à Royan, à 500 pieds sol. Reçu, vous avez un code opérationnel ou pas du tout? La radio n'est pas de bonne qualité, je trouve, ce matin. 4-0-3 oui, il a un peu de friture, mais bon. Bah, écoutez, affiché 70-47, et vous me confirmez le terrain de départ à destination? Eh bien, on est parti de Lorient, on retournera normalement à Lorient. Et est-ce qu'on peut garder 3403? 3403, ça me va. Et 1022 le QNH. Je vais t'amener au-dessus. La zone pour la mission. Je vais t'amener au-dessus de la première plate ouais. À gauche, là. Ah, le fort. Voilà, là t'as un fort qui est là, qui est modélisé. Et l'église là, qui est une espèce de ruine, aussi c'est modélisé ça. Ah d'accord, ouais. On l'avait vu effectivement. Voilà, donc t'as le fort à gauche, l'église sur la droite. L'église, ce qu'il en reste en tout cas. Ouais.
me tienne un petit peu à l'écart de la zone qui est là-bas. Ouais, ouais. Mais pour l'instant, on peut s'en rapprocher ici. Voilà le fort Vauban qu'on voit très très bien d'ailleurs. Ouais, magnifique. Non, c'est bon, c'est bon. Ça me rappelle bien mon pays, ça. Mais c'est, ça fait vraiment des falaises, hein. T'as vu l'érosion de la mer? Ouais, c'est étonnant. Waouh! Et puis il y a l'église en ruine, là. L'église en ruine qui est aussi modélisée sur le parc Poitou. Et là, on va arriver sur la ville fortifiée de Saint-Martin-de-Ré. On ne doit pas survoler. Ben, si, on peut la survoler, mais à plus de 1000 pieds. On y est, à plus de 1000 pieds, hein, quelque part. Bon. On est à quelle altitude, là? On est à 1300, là. 1300. Okay. Voilà, je vais pas trop descendre parce qu'après il va falloir monter à 3000 de faire Fort Boyard. Oh, c'est beau là. Oh là là, que c'est beau dit. La Rochelle Golf Bravo Sierra Lima Alpha. Golf Lima Alpha, good. Lima Alpha, request startup again outside the FGAS pump. Je pense que la ville qu'on voit tout à fait au fond. Ouais. Tout à fait au fond dans la brume, on voit une ville. Ouais. C'est les Sables d'Olonne. Ah, tu penses? Ah, c'est bien probable. On va vérifier. Et là, tu vois, ça confirme les options météo qu'on prend sur les cibles. Pour la visu, comment elle est là, elle est parfaite. Ben oui. C'est brumeux, mais voilà, c'est la réalité. Parce que là, la visu, regarde, on est dans le, on est au 300. Et on est dans l'axe. On est là, et c'est bien les Sables d'Olonne qu'on voit. Bâtiments blancs. Ouais, ouais. Sur la pointe. Regarde à gauche, t'as la ville fortifiée de Saint-Martin-de-Ré. Voilà, ça sent les équipements militaires, ça. Ah oui, oui. Ouais, c'est très beau. Vu d'en haut, c'est vraiment très beau. Et la modélisation est assez réaliste, assez max d'ailleurs qu'il a réalisé. Même le port, t'as l'impression qu'il a été retravaillé. Hein. C'est joli, hein. Ben, y a un joli port aussi, là. Ah ouais, ouais. Je suis y allé il y a des années, mais je me rappelais pas. Enfin, même d'en bas, tu imagines pas que c'est comme ça. Eh ouais. Il y a des remparts, ils vont loin les remparts. Regarde les douves. Ah ouais, ouais, c'est hallucinant. Hein. De toute façon, tu vois la forme de la ville. Hein, ça, c'est du Vauban. Hein. Il n'y a pas de problème. Je les vois bien derrière, là, regarde. Roméo, vous approchez de la sortie, passez avec Poitiers Info, 124 décimales 0, au revoir. 124 décimales 0, qui Roméo. Merci beaucoup, belle journée, au revoir. Aussi. C'est magnifique qu'ils aient pas détruit tout ce truc là. Ouais. Pourquoi c'était construit pour durer, hein? Ouais. On va commencer à arriver sur les marais là, avec les marécages et les... Alors, je sais pas, ils font quoi? Des huîtres, des moules, ils font quoi là-dedans? C'est les marais, ça. Au départ, ah ouais, des huîtres. Oui. Donc départ en qui fin des réglages machines, on est prêt pour suivre le roulage pour aller numéro 09. Et départ en qui roule à les niveaux piste 09, c'est rappelé près. Départ en qui. Entre le vol de l'autre soir, enfin pour aller à Aurillac qui est celui d'hier, le caméscope, la batterie, j'ai bien tapé dedans. Hein. Parce qu'il avait plus de 4h30 voire 5h d'autonomie, 4h30 je crois. Il en restait 45. Hein. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on fait des vols qui sont très changeants quand même au niveau du panorama. Oui, c'est pas qu'on puisse dire, ouais. Regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Soleil. Bon, bah on a une petite pensée pour notre amie Nadine, là. La grenouilleuse. De basse altitude. On va arriver sur le phare de la baleine. Là, je crois que c'est de là ou des baleines, hein, je sais plus. Le problème, c'est que pour Nadine, on va pas trouver le dauphin aujourd'hui. Hein. Ah oui, bah oui, hein, c'est vrai. Nadine, si tu nous entends, on n'a rien dit. Alors, tu vois dans la forêt qui est sur notre gauche, là, il y a une forêt, on va dire un amas d'arbres, ouais, dans l'axe de l'aile. On va le survoler tout à l'heure. Il y a un bunker nazi, des vestiges de bunker nazi qui sont là, ouais, que j'ai ajouté à la scène de Poitou. Un petit élément du mur de l'Atlantique. Ouais. Et le problème, c'est que, si tu veux, il est tellement couvert de végétation, ouais, que j'ai un peu triché en enlevant un peu plus d'arbres pour qu'on le voie sur le CIMU, parce que sinon, tu passes dessus, tu le vois pas, quoi. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure si on arrive à le voir dans la réalité. Mais t'es pas donc qu'il arrive, on le voit. Bah, il y a un petit peu de courant, là, quand même, en dessous, là. Il y a du courant, ouais. On voit qu'il y a de l'écume. Mais pas qui piste 09 autorisé au décollage, vent 0,30 degrés 10 nœuds.
Piste 09, on s'aligne, on décolle, Guépard Yankee. Ouais, mais une météo d'enfer quand même. Ah ben là oui. C'est super super, ah, le soleil qui éclaire. Peu t'en a donné hier, aujourd'hui c'est bien. Ouais. Lima Alpha is now ready for taxi. Good morning, monsieur Lima Alpha. Ce que je vais faire, Pascal. Oui. C'est que, quand je vais tourner, on va voir le soleil. Ouais. Sur notre gauche. Ouais. Donc si tu filmes à gauche, tu verras rien. Ouais. Donc ce que je vais faire, au lieu de prendre la mer, je vais rentrer un peu dans les terres. D'accord. Vous voyez ? Comme ouais. Ça, vous aurez tout à droite. Ouais. Et vous verrez parfaitement ouais, ça va le soleil dans la poire. Bien vu. Parce que sinon, ça va pas le faire. On dirait qu'il y a les vestiges de moulin. Regarde. Tu vois gris là ? Ah ouais, 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 ouais. Ça ressemble bien à un moulin ce truc-là. Hein. Ouais, ouais. Oh, ben, le toit conique, oui. Ah, la forme est caractéristique. Bon alors, 1300 pieds, les toits, ils sont gros, mais d'accord. Et... Bon après, tu me diras par rapport à la hauteur des arbres, c'est pas un point de repère évident ça, les arbres. Alpha and ready for departure. Regarde comme c'est beau là, l'eau, ouais. Bon, la montagne c'est beau, mais la mer aussi finalement. Non, Lima Alpha, do you wish to backtrack on with your line? Ah, negative, we got plenty out from Roger, so taxi line up on with your line, then I could be back. Ah, lever un chouillis, voilà. Ah mais tu vois là nos amis de France VFR, s'ils ont pas envie d'attaquer Rhône-Alpes dans la foulée, il faut ouais. C'est le genre de coin qu'il faut qu'ils fassent. Ah ouais. Mais ça se vend ça. Ah bah oui. Bah l'île de Ré et La Rochelle c'est archi connu hein. C'est des zones, des coins connus médiatiquement, on connaît bien ouais. Le coin. Un bel aéroport. Tu vas pouvoir filmer à droite là, ouais. Pascal, je vais tourner volontairement avant le phare. Donc on va voir le phare des baleines sur notre droite hein. Pour que ça suive, pour que le soleil ne vous gêne plus. Lima Hotel, runway 09, clear take off, wind 03, 0 degrés, 10 knots. Je vais mettre les ailes à plat. Lima Alpha rolling. Attends, j'incline un peu et je mets à plat dans la foulée. Ah, ça me va, moi c'est bon. Allez, hop là. Toc. Et on est sur le phare, voilà. Hop, à droite. L'extrême nord de l'île. Alors, le phare avant qu'il disparaisse. Et vous là, il doit y en avoir plein parce que t'en as là aussi. Oui, j'écoute. Donc on est en vent arrière 1000 pieds, mise de cap dans un premier temps vers l'île de Ré. C'est bien pris, Guépard Yankee, rappel pour le retour. Merci. Alors pour le retour, Guépard Yankee. Alors je sais pas s'il est là le bunker ou s'il est plutôt là-bas, je crois qu'il était plutôt là-bas. Alors je regarde un peu les fréquences. Toc 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 toc. Il y a des trucs là dans la forêt mais je sais pas si c'est ça. À mon avis c'est ceux-là là. D'accord. Bon, y a... Ah oui oui on les voit les bunkers. Ouais, ouais c'est au niveau du sol. C'est ça, voilà, les bunkers sont là ouais. Ouais et puis ça c'était l'un des modèles qu'ils faisaient. Là t'as une batterie, ouais, avec... et puis devant t'as une tour d'observation. Voilà exactement. Les tracteurs à Rochelle. Voilà. Bon, si tu veux rentrer dans les servitudes, le guépard va un petit peu sur l'île de Ré, donc tu as un petit peu de temps si tu veux rentrer dans les servitudes pour faucher. Ça marche. Ah là, en dessous le port, c'est génial. Lima Alpha, can we climb initially to 3,000 feet, sir? 3,000 feet maximum due to military activity above Cognac area. Ça serait pas plutôt le phare, ça 3,000 feet, ok, yeah. Permit, ok. Je vais demander de monter plus haut. Fox Tango Novembre, on souhaiterait quitter donc l'île de Ré pour rejoindre l'île d'Oléron. Est-ce qu'on peut monter 3000 pieds? Oui, c'est approuvé, 3000 pieds, Tango Novembre. 3000 pieds, on rappelle, arrivant sur le secteur de l'île d'Oléron, Fox Tango Novembre. Reçu. Allez, on va monter tranquillement. Parce que le survol de Fort Boyard... 56 de La Rochelle. Fort Boyard, c'est 3000 pieds, donc on est obligé d'aller faire les pôles dessus. Oui, là, j'étais coordonné par CCMAR. Vous êtes aussi en recherche pour le voilier ou pas du tout? Tu vois, je mets de la puissance. Ah, tu vois, si je mets pas du pied, la vie, elle se barre à droite. Hein. Ouais, le moteur, en fait, qui nous envoie à gauche.
Voilà, on va chercher 89. On laisse l'île de Ré sur la gauche. On va chercher Oléron qui est juste là en face. C'est vrai qu'à gauche pour filmer tu vois plus grand chose à vrai. Ah ouais, mais côté 20. L'œil, on arrive à faire l'autofocus, mais la caméra elle y arrivera pas. Face au soleil. Bah, disons qu'en fait tu perds beaucoup d'informations. Ouais. Après là, si tu filmes là, c'est pas mal parce que tu verras les reflets du soleil dans l'eau. Ça fait un effet miroir, comme on a vu hier d'ailleurs, l'estuaire de la Gironde d'un moment. On voyait bien l'eau. Ouais. Un reflet du soleil dessus. Ouais. Et là pour le coup sur le Simus c'est assez réaliste le soleil dans l'eau je trouve. Ouais, ça fait bien ces effets de moirage, là je sais pas comment quel terme employer. Là-bas il y avait un truc qui brillait à fond. Donc là on sent qu'il y a quand même une dérive hein, parce que il me pousse vers la mer le vent en fait. Ah d'accord, c'est toi qui rectifie. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait quand on a décollé face à gauche là. Ouais. Et parce que je visais l'île d'Oléron, je commençais à partir au large là. Donc je vise à gauche de l'île, de façon à ce que le vent devrait nous ramener. Bon mais pendant le transit maritime, là je vais arrêter le caméscope. Ouais, rien de bouffer de on va arriver sur l'île dans 3 minutes. Hein. 3 minutes. Ouais, bon ben 3 minutes et 3 minutes. Hein. Peut-être un peu moins parce que là on va reprendre de la vitesse dès que je vais être en palier. Et après on va pouvoir lâcher. Je vais refiler les commandes à Jean-Luc, hein, de toute façon. Bah, c'était pour lui pour te laisser le temps de bien. Ouais, ouais, bah, comme ça j'ai bien vu là. Parce que sinon, c'était au coma, je te sens entendu. Ah, alors. Parce que c'était pas Jean-Luc qui pilotait, je me disais, je commence à avoir mal au cœur. Bon, facile. Ouais, trop facile. Bon, c'est gentil quand même. Ouais. Bon. Peu crédible, mais gentil. Ah ben, totalement pas crédible. Ah, les couleurs là sont quand même mieux au niveau de l'appareil photo. Enfin, pas dans le soleil, bien sûr. Stanley Mouth, just 5. November, 3000 feet. Roger, clear back to switch frequency. Thank you. C'est vrai qu'au fond là-bas, il y a une petite couche nuageuse, il y a un petit truc là. Alors, ce qu'on peut totalement net, je vais faire un truc. On va aller sur le terrain d'Oléron. Juste pour avoir un petit track, le terrain il est par là quoi. D'accord. Donc on fait un retour. On descend ici dans Nirest. Ouais. Et lui il va classer dans l'ordre. Le plus près. Ouais. Le plus près ben, c'est La Rochelle. Ouais. Et le deuxième c'est Oléron. D'accord. On fait entrée, pof, et là on va voir le track qui va se dessiner dessus. Ouais d'accord. Voilà. Allez, à toi le. Ok. Après je te reprendrai quand on fera Fort Boyard, comme ça tu pourras bien visualiser le fort. Juste un petit peu trimé en descendant léger, voilà. La Rochelle, c'est pas l'OK. Et par s'écoute. Donc on est en retour vers les installations pour une longue finale monomoteur en 09. Et à l'issue, on souhaite récupérer la piste à 10 bonnes minutes pour des panneaux stationnaires et interruption de décollage. Alors du coup, Après, 3000... Yankee, piste 09 autorisée option. Du coup, à 3000 pieds, c'est moins joli. Pour les 10 minutes. Et c'est le seul moyen qu'on aura de survoler le fort. Parce que la zone est interdite. Finalement, il y a une autre alternative. Après, c'est de descendre par exemple à 1000 pieds et de se mettre à 500 ou 600 mètres en latéral. Ouais. Mais tu crois qu'on le verrait en latéral? Ah bah disons que si on est du côté, si on est à l'est et qu'on regarde sur la droite, ouais. Et ouais, mais pour être à l'est, on rentre dans les zones, regarde. Ah bah oui. Voilà, les zones elles sont là, le fort, le fort il est là. Ouais. Faut vraiment aller chercher loin quoi. Ouais. Mais je pense qu'en filmant à la verticale, ça devrait rendre quand même les... Ah bah disons qu'il faudra à ce moment-là que tu te mettes à 500 mètres sur le côté. Ouais. Pour que j'ai un angle. Exactement. Parce qu'en dessous il y a la roue quand même, donc si c'est trop vertical. On le voit le fort là, on le voit. Le fort Boyard, il est à gauche là. Ah là-bas, oui, ok. Voilà. Derrière l'île là. Voilà. Ouais, ok. Bah la rigueur, il faudra que tu te mettes à gauche, à mi-distance entre le fort et l'espèce d'île que ça fait là. Voilà.
Tu te mets, ouais c'est ça, sur la gauche, tu passes au milieu, moi j'ai un angle de 45 degrés sous le soleil, donc c'est bon. On peut faire le fort, l'île D, l'Edex, et après derrière il y a Fourassin. Et en dessous on a une espèce de phare là où je ne sais pas ce que c'est. Juste à la verticale. Là. Ah oui, on passe un phare là, effectivement. Un mini phare. Du coup c'est même pas la peine d'aller chercher le terrain, tu peux aller viser l'île D si tu veux. Tu me dis quand tu vois apparaître l'île sur la droite, ça devient intéressant. Allez, petite photo au nom d'une pipe. Et à portée, faut s'en servir. Hop là. Et je vais sur l'île d'Aix. Ouais, c'est l'île à gauche, comme ça vous aurez le fort sur votre droite. Hein. D'accord. Bon, 3100 pieds au QNH, on est au nord de l'île d'Oléron, on va transiter par l'ouest de l'île, hein, toujours en maintenant l'altitude au-delà de la zone limitée. C'est parfait, Tango de Bravo. Bon, oui, ça sert à rien d'aller sur le terrain pour revenir, on est là. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est le terrain, on s'est posé. Vas-y, profite. Voilà. Alors, c'est d'avoir été posé, c'est lui qui avait posé tant de petits problèmes de... Ah, pour moi en tout cas. Ouais. Il est où ce terrain? Le terrain il doit être sur la droite hein, par rapport à ce que je vois sur le GPS. Hein. Bon, je vais relancer quand même le cap. En tout cas, je peux te dire que en simu, t'as du mal à le voir et là, t'as du mal à le voir aussi. Je me rappelle qu'en simu, on l'a cherché. Hein. Ouais. Bizarre pas. Vu que c'est un rond sur le GPS, normalement, c'est une piste en herbe. Quand c'est un rond, c'est une piste en herbe. D'accord. Quand il y a un rond avec un trait, c'est une piste en dur. Bon, il était sur la... De toute façon, il était sur la pointe, le terrain, là. Oui, sur la droite, il est au milieu de l'île. Ah, ouais, au milieu mais... de l'île à droite. Mais comme c'est... peut-être un champ, il est dans l'axe comme ça, tu vois, le terrain. Dans l'axe est-ouest, hein, quand ouais. même. Hein. Il a une piste... Enfin, deux pistes qui se croisent à 90 degrés, je crois. L'île d'Oléron, ça fait moins sauvage que l'île de Ré quand même, hein. On dirait que c'est plus habité. Est-ce que tu veux du plus sauvage? Alors, Dragon, donne ta copie, on va mettre en point fixe. Et Dragon, bonjour, c'est approuvé, rappel prêt. Ouais, je suis en point parfait, Dragon. Alors, on arrive sur Fort Boyard, là. Ouais. Alors, vol de départ Yankee, donc on est paré à débuter les exercices au sol, donc panneau stationnaire et attention décollage pendant 10 minutes. Eh ben c'est noté Guépard Anki, je te rappellerai éventuellement, j'ai l'Europe qui va se présenter, mais je pense d'ici 10 minutes ça devrait être bon ou un petit peu moins. Guépard Anki. Là c'est royal, ça bouge pas, c'est des conditions extraordinaires. Hein. Ouais. Là on a le port de La Rochelle sur notre gauche, là on voit l'île de Ré dans ouais. en enfilade. Henrik nous a même mis des bateaux. Alors là, il n'y a pas de problème de sillage, hein, il bouge pas. Il n'y a pas de sillage vertical, voilà, c'est nickel. Hein. Il y en a quand même un petit voile de brume, on voit là, hein, à notre altitude, d'ailleurs, quasiment, on voit sur la gauche, une espèce de brume, on ne sait pas si c'est de la pollution ou si c'est de la poussière. Ouais, ben là, au niveau du caméscope, je peux te dire que c'est crassouilleux, dégueulasse. Ah ben oui, j'essaye de filmer, mais je sais pas ce que je filme, en fait. Ben, tu vas voir le Fort Boyard, je vais faire un virage au-dessus du château de l'île d'Aix. Ça, ouais. Tu peux faire et le château et le fort, tu vois. Parce que dans cette position là, on a le soleil de trois quarts devant, c'est pas de folichon. Hop, je vais essayer quand même de tenir les 3000 pieds. À 2950. Hein. Bon, je chipote, mais bon. On dirait un bateau de la marine. Lofima Alpha, you're leaving my area, contact north, information 120 decimal, 125, goodbye. Contact north, 120, 125, and once more, thank you for your hospitality and help. Thank you too, bye. C'est parce que bye. Ça ressemble, on dirait un bateau de la marine nationale. Ouais, ouais, ça ressemble. Il est tout gris, mais c'est petit, hein. Ouais, je le vois. Tu vas le voir passer de ton côté. C'est un tout petit bateau, mais... Ou les gardes... Ça peut être un patrouilleur, ça peut être aussi un patrouilleur de la gendarmerie maritime. Oui, si, tu as raison. C'est ça, ou les douanes, enfin, ouais. Ça ressemble beaucoup. Le bateau, il est tout gris, et ça fait un peu... On pourra déterminer ça au caméscope, je suis zoom max dessus, là. Ouais.
À plein travers du fort. Travers du fort, ça y est. Ah, ça y est. Ah bah ouais, c'est nickel là. Ah bah parfait. Tu l'auras encore mieux dans quelques secondes parce que je vais être perpendiculaire au soleil. Bon, alors. Ah, je vais reprendre 100 pieds là. Bon ben très bien. Bon ça va, 3000 pieds on le voit bien quand même. Ouais ouais. Bon ouais, ça reste correct. Bon, plein zoom évidemment c'est encore mieux hein, puisque j'y suis tué. Bon j'essaie de voir le fort, il est là, d'accord. On va arriver sur l'île d'Aix après. Bon l'éclairage, t'as vu, il y a l'ombre du fort dans l'eau. Ouais. Vous avez vu sur la droite. Eh oui. C'est joli. On a activé les... C'est quoi, c'est les casques? Non, c'est les récives. Oh là 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 là. Allez, on arrive sur l'île d'Aix. Et après, on va arriver... La Rochelle Info de devant Bravo Delta, bonjour. Sur Fouras. Juste en dessous, tu devant Bravo Delta, Delta, bonjour. Novembre 920 Bravo Delta, un Cirrus en provenance de Limoges, destination les Sables de l'Homme, actuellement 2900 pieds, 1021, 7000 au transpondeur. Novembre Bravo Delta affiché 7046 au transpondeur 1021, le QNH. 46021 pour Bravo Delta, merci. La Rochelle Info, Fox Québec Hôtel, bonjour. Québec Hôtel, bonjour. Fox Golf Kilo, Québec Hôtel, DR400, une personne à bord, 3000 pieds, QNH 1021, à provenance de Limoges, destination de La Rochelle. Reçu Québec Hôtel, affiché 4720 au transpondeur, QNH 1021, faites route vers le point Novembre Alpha. Fox Québec Hôtel, 4720, QNH 1021, et je me dirige vers le point Novembre Alpha. Alors le fort de Fouras, en fait, je sais pas où il est. La Rochelle, bon, la gueule, la radio, elle est pourrie, hein. 90 sur BMAX. RF 12, Golf Hotel, bonjour. Le dernier vent, 0,10 degrés, 10 nœuds. Vous souhaitez la 09 à 27? Sans doute. Je vais traverser la prochaine avenue main gauche pour la 09, RF Golf Hotel. C'est bien pris. Bah, écoutez, dans un premier temps, faites route sur Romolima. Et vous me rappelez pour débuter la descente. Route Romolima. Là, je crois qu'il y a une autre ville fortifiée là-devant. C'est simple. 12 Golf Hotel. Descendez 4000 pieds au QNH 1021. Descendez 4000-1021, Europe 12 Golf Hotel. Bon, faut pas s'impliquer les zones de Rochefort quand même. Fox Québec Hôtel, comment c'est la descente pour être au circuit, à hauteur du circuit, 1100 pieds QNH. Fox Québec Hôtel, je commence la descente pour être à 1100 pieds QNH. Alors il va falloir que j'ai cherché le fort. Ok. Et là il y a les zones de Rochefort. Ouais. Peut-être obligé de tourner là. Ah, t'as un château. Ah, ouais. Ce que j'ai sur la carte alors, d'accord. Ouais, ouais. À mon avis, Pascal pourra pas le prendre, mais il est juste en dessous. Ah, attends, bouge pas, j'ouvre à gauche j'ouvre, et je prends à droite. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ah, tu vois en bas, là. Alors, bon, fin de point, fixe en coupe, à plus. Merci, Dragon, à bientôt. Ah, ouais, bon, enfin. Pas si, là je le vois pas, donc je sais pas si je suis bon. Moi je le vois bien, Pascal. Non, moi je le vois pas. Eh, bon. Attends, bouge pas, regarde. Je vais partir un petit... Ouais, je veux pas m'impliquer les zones. Allez, hop, c'est parti. Ok, ouais. Rochefort, c'est une zone militaire aussi. Ouais, ouais, et tu vois, la zone, elle est là. Espèce de carré à la con, là. Ouais, ouais. Donc là, on va passer comme ça. Peut-être ouais. Idéalement, il faudrait qu'on vise le bout, là, de l'île d'Oléron. D'ailleurs, à l'île d'Oléron, je vois qu'il y a un château aussi, là. Il y a un fort. Ouais. On va essayer de se le faire. Donc ça nous éloigne de Rochefort. Toujours 3000, là. Toujours
toujours à 3000 pieds, ouais, ouais. D'accord. Ouais, je fais gaffe à ça, ouais. Bah 3000 pieds, ça fait, ouais, ça fait 900 mètres quand même, hein. Ouais, ouais. On n'a pas l'impression d'être à 900 mètres, hein. C'est fou ça. Pascal, t'as une autre, t'as un autre fort là, juste en bas à droite. Alors j'ouvre à gauche pour que tu puisses filmer à droite, hein. Ouais. J'ouvre un petit peu. Hop là, c'est parti. Europe 12 Golf Hotel, poursuivez la descente 3000 pieds, 1021. 1000 pieds, 1021, Europe Golf Hotel. En fait, t'as pas une île qui n'a pas sa fortification. Fox Québec Hotel, juste pour information, vous allez être doublé par un ATR qui va vous doubler sur l'avant arrière. Il sera devant vous pour l'avant arrière main gauche, piste 09. Donc pour l'instant, il est une minute derrière vous et il va vous doubler d'ici 2 minutes. Reçu pour l'ATR, il va me doubler par la gauche ou la droite? Par le dessus. Très bien, bien reçu. En fait, t'as un fort là, t'as un fort là, pour information, j'ai un DR400 qui va se présenter en début de vente arrière, il sera à mi-pied plus bas que vous, et vous allez le doubler pour passer devant lui pour la vente arrière, main gauche, piste 09. C'est possible. On dirait qu'il y a une île devant. Ouais, tu vois, il y a les visuels sur les installations. Il y a une île, on dirait qu'il y a un dojo. Eh bien, on vous rappelle qu'on a les visuels tout à l'heure. Ça marche. On va bientôt quitter la zone à droite. Alors, on va faire un visuel. Parfait, hop, double photo. Donc, quand on est à l'approche à vue, piste 09, dans un premier. Et toutes les passes, elles sont verrouillées. Ouais, ah oui, oui. Et aucune H1021 pour l'avant arrière, le temps de faire le dépassement. Alors, autorisé, approche à vue 09, golf hotel main gauche, en garde de 1060 initiale. Tu vas voir sur la droite le château de Léron. La Russian Creek, 25, bonjour. 25, bonjour. Voilà. 25 à Mirage 2000, on quitte actuellement avec Cognac dans le 125 nautique de l'installation, 3500 pieds. On souhaite en fonction du trafic effectuer un passage sur, votre, sur l'installation de l'est vers l'ouest. Bon, si c'est possible maintenant? Ah, c'est possible, oui, maintenant. Donc descendez 1000 pieds pour le passage et vous me rappelez établi en finale 27, en gardant la vitesse bien sûr. C'est 27, on accélère 450 correct 27. On accélère 450? Ouais, oh la gueule quoi. 450. Et là on fait le correct 25, on souhaite descendre vers 500 pieds à l'heure. Approuvez correct 25. Correct 25. Donc il lui dit descendez 1000 pieds, bon ok j'accélère 450, je suis là dans une minute. 30 secondes à peu près, je vais avoir un passage de Mirage 2000 est-ouest. Ça veut dire qu'il va prendre derrière alors. 450 pieds à 1000 pieds seul au-dessus de la piste. Waouh. Il parlait bien du passage à La Rochelle. Ben, je crois bien que si. Il faut que c'est ça qui est passé. Sur la vente arrière de la position, un petit peu éloigné, et je vous rappelle pour reprendre le circuit vers la base main gauche. Québec Hôtel, je poursuis sur la vente arrière. Les deux châteaux là. Et Corrig 25, le passage est-ouest est approuvé. Le dernier vent 0 voilà. Degrés, 10 nœuds. Corrig 25, hein. Passage dans une minute. Ensuite. Là, on est sorti des zones. Alors La Rochelle c'est derrière là-bas. Bon, tu parles à cette distance, je vais rien voir. Ah oui, si c'est un truc bobin ça aussi, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, reste stable, je vais voir si Pascal, ouais. Rochelle de Delta India Romeo, bonjour. India Romeo, bonjour. Ils sont en dessous, ils sont à droite. Une espèce de donjon, Pascal. Ah, sur ma droite, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, route, il est trop loin derrière. À côté du pont. T'as une île. Ah oui d'accord, ok. Et on a passé le château de Léron, voilà. Qui est un fort Vauban. Et là on va arriver sur une île, hein, où il va y avoir... Oh pardon. C'est bon. Allez. Ah on le voit très bien. Ah ouais ok, très bien. Voilà par exemple, pour moi c'est un poil trop près. Parce que visuellement je le vois pas, c'est le caméscope qui plonge en fait. La Rochelle de Fox Tango Novembre, on a quitté vos zones. On arrive au sud de l'île d'Oléron. Pour poursuivre par un transit de Royan et le trait de côte jusqu'à Arcachon. Semi après Tango de Varme, je vous rappelle pour le transfert. C'est correct, 25, on fait poursuivre sur un cap devant. C'est approuvé. Il est parti, tu peux reprendre. Bah rien sur Royan. Bah vas-y hein. Là on va sur Royan. Tu vois, on va sur le hôtel. Donc vous avez effectué le dépassement de l'appareil sur votre droite. Donc descendez à convenance, vous êtes numéro 1, rappelez finale piste 09. Sur un condom, c'est le moment, on appelle escalier sur un autre, c'est un peu bon. La Rochelle de France Douane 56-16. 56-16, je vous écoute. Oui, 56-16, on est sorti du
de... Alors, 56, ça je vous ai encore coupé, répétez. On va passer avec la petite toujours en altitude pour quitter zone et fréquence. En zone 56-16, je vous écoute. Oui, 56-16, on est sud de Oléron, vers l'estuaire de la Gironde, à 500 pieds, en sortie de circuit et pour quitter la fréquence. Reçu, quitter la fréquence, vous pouvez passer avec Aquitaine 120-57, au revoir. Avec Aquitaine 120-57, 56-16, merci. Il y en a un qui fait comme nous devant là. Ouais. Fox Tango Novembre, vous pouvez contacter également Aquitaine 120-57 et 7000 au transpondeur. Au revoir et bon vol. 120-575-570-00 au transpondeur. Merci encore pour votre accueil, on reviendra. Bonne fin de journée à tous, au revoir. À vous également, à bientôt. On a marraine à gauche avec tous les étangs à huîtres certainement. Aquitaine, Fox Tango Novembre, bonjour. C'est Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox, Golf, Bravo, Tango Novembre, un Cessna 172 en provenance de La Rochelle, à destination d'Arcachon. Trois personnes à bord, libérées par La Rochelle. On est à 3 minutes de l'estuaire de la Gironde pour la traverser et suivre le trait de côte pour se poser à Arcachon. Et on transporte de 70-00 et on passe 3100 pieds. Golf Bravo Tango Novembre, c'est copié, transpondeur 1230. Pour information, les zones de caso sont actives. Donc si vous maintenez 3100 pieds, il faudra passer avec eux en fréquence. Sinon, vous descendez de 100 pieds et vous restez encore avec moi à 3000 pieds. Elles sont... Bon, je parle des Roméo 31, bravo. Oh putain, j'ai rien compris. On va se limiter à 3000 pieds max. On va se mettre en descente pour rester avec vous. Je n'ai pas pris le code transpondeur, je vous reçois 4. Fox Tango Novembre, 12-30, le transpondeur. Unité 2-3-0. Unité 2-3-0, on descend en dessous des 3000 pieds, on reste en fréquence avec vous. Fox Tango Novembre. Fox Tango Novembre, et donc passer l'étang de la Cano, il faudra descendre à 1000 pieds pour rejoindre Arcachon. C'est bien pris. On reste en fréquence, Fox Tango Novembre. Donc les zones de caso militaires sont actives. Donc là, ouais. On descend. Parce qu'au-dessus de 3000, on est avec les militaires. Ça, j'ai bien compris, ouais. Voilà, vas-y, regarde la manche. Hein. Donc on va prendre 2008, comme ça. Parce que eux, par contre, les militaires, ils sont 3000, c'est 3000. Hein. Ouais, ouais. Donc ben, on ouais. va se prendre 200-300 pieds de marche. Hein. On n'est pas à 300 pieds près, nous. Ah, ouais. On s'en manque un petit peu. Donc on va descendre à 2008, tu vois. Et à partir de la Cano, de ce point-là, par là, l'étang, il faudra descendre à 1000 pieds. D'accord. Donc ça veut dire que les militaires, eux, ils se prennent la plage qui est au-dessus de 3000. Voilà. En plus, Caso, tu as des Alpha Jet, tu as une école de pilotage, une grosse activité aéronautique. Ouais, ouais. D'ailleurs, en termes d'activité, ce matin, c'est beaucoup plus bruyant qu'hier. Hein. C'est vrai. La météo y étant certainement pour quelque chose, d'ailleurs. Ouais, hein. Ouais. Beaucoup de centres de vacances, regarde à gauche, là, tu as vu. Il y a des piscines avec des bungalows. Ouais, d'accord. C'est très touristique, hein. Là, on va arriver sur l'estuaire de la Gironde. Voilà, on a 2008, c'est pas mal. On ouais. peut se remettre en palier. Puis on remet la puissance moteur. On va prendre 75% de la puissance. Voilà. Une fois que... vise le trait de côte. Ouais, voilà, c'est bien là. Ok. Et puis là, est-ce que si tu lâches, comment il fait l'avion? Il monte ou il descend? Bah, il monte. Il donc, monte légèrement. On, ouais. on va légèrement transponder n'importe quoi. On va Primer pour éviter les efforts aux manches. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est de rester en palier. Voilà. On a 300 pieds de marge au cas où. D'accord. On pourrait se mettre à 3000, mais bon, ils sont militaires, ils sont très très ouais. carrés, quoi. Donc, où il y a un hippodrome au-dessous, t'as vu? Et puis, ah, il oui. y a de l'activité, de toute façon, donc. Ah non, c'est pas un hippodrome, ça. Les chevaux, quand même, si c'est un hippodrome, mais un système, un truc de saut pour les chevaux là. D'accord. Parce que je vois que ça tourne autour. C'est les chevaux qu'on va courir? Bah, je vois pas de cheval moi. Ah bah, sur le cercle intérieur. T'as pas fait gaffe hein? Non. Ah non, je regardais sur l'herbe moi, d'accord. Ah d'accord. Bah tu le verras là où filme après. Là on arrive sur l'estuaire hein. Alors, on est vraiment sur l'estuaire à proprement parler. Là c'est beau là, hein. Regarde ça à droite. Yes. Ah là on a la Gironde à gauche, là fait la Garonne qui se jette. Hein.
petit banc de sable au milieu. Donc on va faire le fameux phare, le phare qu'il m'a dit là. Comment il m'a appelé ce phare, bon sang? Le phare du... Bon, voilà. C'est un phare, j'ai plus le nom en tête, désolé. Ouais, en tout cas, c'est clair qu'il faut pas que tu prennes l'estuaire au milieu. En bateau, sinon t'as une surprise. Bon, maintenant que tu regarderas la carte de France chez toi, tu regarderas la météo à la télé. Ah, l'estuaire de la Gironde, c'est un repère visuel sur une carte de France, on le voit quoi. Ah, bah, tu diras, ah ouais, mais c'est vrai que merde, je l'ai fait en avion, je l'ai transité. C'est bien sympathique à faire. Bon, je sais pas si c'est marée haute ou marée basse là, parce que j'y connais rien. En tout cas, il y a un banc de sable en dessous. Je pense que c'est marionnette parce que le phare, t'as vu, il est cerné d'eau. Ouais, il est... ouais. Alors qu'habituellement, sur des photos, il y a du sable autour. Et on voit que l'eau n'est pas très profonde à cet endroit-là. Ouais, ouais. Tu peux passer peut-être un petit peu sur la gauche, comme ça, Pascal pourra filmer le passage du phare. Là-bas, il y a un port, on voit qu'il y a des grues de débarquement de bateaux. Ouais. Bah, c'est pas le fameux port de Verdun. C'est Royan, je pense. Non, Royan est à gauche. Ah, alors je sais pas ce que c'est en face. Ah bah, je vais regarder. On m'avait demandé de modéliser un truc, le phare de Verdun, c'est ça. Ah, c'est le Verdun, d'accord, ok. Voilà, cette petite base de débarquement là. Ouais, d'accord. Je vais demander de la modéliser. On va passer non loin du terrain de Vendée, le terrain qu'a fait Dominique, qui est dans les arbres là. On avait fait une escale d'ailleurs autour de France. Ah oui. Je vois le phare là sur la droite. On va commencer à le voir. Je le vois, ouais. Et le prendre en photo. Ah, je vais essayer. À peu près quand même pour la photo. Que je bascule encore un peu? Bah mets-toi plus à gauche, ouais. C'est possible. Par contre, on sera obligé de rester au-dessus de la mer pour le pré de côte. Hein. Parce que tu vois, t'as des zones militaires qui viennent mordre là. Ouais, ouais. Tu vois? C'est bien, c'est bon. Bon, jusque-là, on pourra rester sur le pré de côte, mais après, il pourra s'échapper de la mer. Un peu sur la mer. Donc, Pascal sera obligé. Aquitaine de 9 kilos. Pascal sera obligé de filmer sur la gauche, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement. Aquitaine, bonjour, j'écoute. On ne peut pas, on ne peut pas. Aquitaine, bonjour. Golf Charlie, Norme Kilo, 172. Tu as vu, Jean-Luc, sur la gauche, il y a un bateau là. Ouais, je pense que c'est un ferry. Ouais, ça ressemble. Avec le pied débarquement pour les passeurs. C'est avec le château au milieu, ouais. Ouais, et la destination 104. Ouais, tu as un ferry qui fait la traversée pour les véhicules. Entre Royan et Verdun sur mer. C'est pas le Cordouan là, le phare? On est 2000 pieds, 1000 hein maximum. C'est pas le Cordouan le phare là? Ça doit être oui, ça. C'est ouais. Vu la forme, pour moi c'est le Cordouan. Ouais ouais, ça doit être ça la forme. Ouais. Le nom ça me rappelle hein. Quelque chose. Hein. Il y est hein, sur le Simu aussi. Ah ouais, il est magnifique ce phare. Ouais. On va arriver sur Soulac. À gauche, Soulac sur mer. Norme Kilo confirme le transpondeur 1231. Unité 2, 3 unités. Pas pour nous ça. Oui, rectificatif 231 affiché. Ok. Donc Soulac sur mer avec l'aérodrome, on voit la piste. Tu la vois, elle est comme ça la piste. Est-ce que tu la distingues? Ouais, je la vois là. Ah voilà. Oui. Là, je l'ai en visuel. Elle est du coup, elle est un peu en terre la piste en fait. Elle est en terre. Elle est pas en vert. Elle est en terre. Ouais. Je crois que c'est une piste en dur. Ouais. Vous tournez. Après, ouais, effectivement, ouais, on voit la partie terre et la partie goudron. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Donc on laisse l'estuaire de la Gironde et puis là on va prendre le pré de côte. Hein. Pour l'instant pour rester. Parce qu'en fait, les zones militaires, tu vois, hop, parce que ouais, tu ouais. as l'étang d'Ourthain. L'étang d'Ourthain, c'est ici là, en haut, ouais, c'est ouais. l'ancienne base militaire de la ouais, marine. Ouais. Et les gens qui faisaient leur service militaire dans les ouais, années. Ils faisaient leur classe là. Ils faisaient leur classe là, exactement. Ouais. Et donc c'est une zone interdite de survol à moins de 3000 pieds. Ouais, ouais. Donc on ira jouer un petit peu au large. Mais tant qu'on reste là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, ouais. On est peinard. Et dans 10 minutes, hop, on descendra en dessous de 1000 pieds. D'accord. Bon, vu que là on a un tout petit vario léger négatif, ça va très bien. On se laisse ouais, on a perdu 200-300 pieds. Voilà. Et je me demande, vous voyez à gauche, là, il y a une espèce de building. Est-ce que c'est pas ce fameux building qui a été évacué? Si, c'est celui qui est sur le trait de côte qui a été évacué. Voilà. Ouais. Tu le vois Pascal, le building là? Ouais ouais, je vois quelque chose là. Il a été évacué parce que la mer gagnant sur la côte, ça devenait dangereux.
Ah oui, celui-là, d'accord. Et à terme, ils vont le foutre en l'air, d'ailleurs. Hein. Fox Yankee, tous les débuts de votre message a été coupé, donc je ne connais pas vos intentions. Merci de confirmer. Terrain de départ, terrain de destination et vos intentions. Ah oui. Fox Yankee, cette fois c'est copié, transpondeur 1230 et rappelé travers sur terre. Transpondeur 1230 et nous rappelons travers de sur terre, Fox Yankee. Mais deux avions avoir le même transpondeur. Action info, Fox Golf Delta Oscar Fox, bonjour. Fox Golf Delta Oscar Fox, bonjour, j'écoute. Fox Golf Delta Oscar Fox, S905 en deux en provenance d'Irak, pour Irak, deux personnes à bord avec transpondeur, pour un vol d'instruction entre 2 et 3 000 pieds, secteur nord des installations, si possible. Oscar Fox reçu, 3 000 pieds maximum, rappelé en fin d'évolution. 3 000 pieds maximum, on garde 7 000 au transpondeur, Fox Oscar Fox. Oscar Fox négatif, transpondeur 1232. 1232 au transpondeur, évolution approuvée jusqu'à 3 000 pieds, vous rappellerons fin d'évolution, Fox Oscar Fox. Non, c'est bon, on fait là pour les images, là j'y arrive bien. Là. Ça va, ça passe. Hein. Ah, je fais de la photo là, tu vois, même pour super. Jean-Luc ? Ouais ? Si tu veux te mettre le wild, tu sais ce que tu fais là ? Le quoi ? Le wild. Ouais. Être dans la panade totale. Ouais. Tu fais un virage 90 à droite et tu restes en face. Ouais, mais non. Alors pour illustrer mon propos, voilà, une petite photo. Et là... Quand on arrive... Voilà. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Parce que la visu est mauvaise et tu vois, j'aurais la trouille. Ah bah oui, de toute façon, super, là... excellent. Là, on passe tout à l'heure. Ciao, ciao. Là, on passe en VSV direct, là, je crois. Ah ouais, mais là, je serais pas à l'aise, tu vois. Ouais, deux avions de les chasseurs à droite, là. Pas vu. Oh, merde. Ah, ouah. Pas vu. Ah, mais formation, ils étaient à 100 mètres, là. Même pas 100 mètres, là. Tu vas aller voir. Capitaine de Foxy Cozulu, bonjour. On va aller voir les avions, là. De toute façon, tu vas voir que ça, maintenant. Puisqu'on va se rapprocher de Cazo. Station à plan, Aquitaine, bonjour, j'écoute. Voilà, on arrive au lac d'Ourthain. Donc là, on est super, là, on est nickel. Hein. Ouais, il n'a pas la peine d'aller plus vers la mer. Station à plan, Aquitaine, bonjour, j'écoute. Je vise là-bas, là, le voilà. Côte. On sait jamais si on a un problème qu'on puisse quand même rejoindre la terre. Hein. Ça, c'est bon, ça. Je pense qu'à gauche, c'est deux bunkers allemands, ça. Regardez, non ? Mais je dis ça parce que je ne sais pas ce que ça foutrait là, ça. Les deux bâtisses, là. Aquitaine, de Foxy Cozulu, ouais, bonjour. Ils ont basculé dans l'eau. Ouais. Foxy Cozulu, bonjour, j'écoute. Oui, un DR400-180, Fox Hotel, Novembre et Cozulu. Nous avons décollé de R sur la Dour à destination de Bergerac. 74 de transpondeur et 2100 pieds, 3 personnes à bord. Et Cozulu, transpondeur 1234 et j'ai pas de contact radar pour le moment. Et bunkers, 1, 2, 3, 4, Fox et Cozulu. Donc on va faire Biscarrosse et on va remonter sur Bergerac. Monsieur Cozulu, c'est copié, je vous cherchais pas dans ce coin-là. Vous avez essayé d'appeler Cazo ? Ah non, j'ai pas appelé Cazo, monsieur. Vous êtes clairement dans leurs espaces, contactez-les rapidement sur 119.6. 119.6, je les contacte tout de suite, monsieur. Capitaine Arthur, Gaël Fox Mike Golf, bravo uniforme, rebonjour. Fox Mike Golf, bravo uniforme, bonjour, j'écoute.
sont dans l'uniforme, un hélicoptère à gazelle en provenance de Royan, direction de Rodez. On est actuellement 30 nautiques au sud-ouest de Royan, cap 120, altitude de 1000 pieds avec NH 1021, 3 personnes à bord et on transponde de 7000. Fox Bravo uniforme, transpondeur 1230, quelle est votre altitude? 1000 pieds, que la file 21. Bravo, Zulu, Bravo uniforme reçu, j'ai pas de contact radar pour le moment, je vous rappelle dès que j'en ai un. Monsieur. J'ai l'impression que j'ai le vent qui m'embarque légèrement sur la droite par moment. Ah ouais. Vers la droite hein. Ouais. Donc le vent, ben oui c'est logique. J'ai une impression hein, je sais pas. On a décollé face à la terre, donc c'est un vent de terre. Ouais. Donc ouais ouais, de toute façon t'as qu'à voir la position de l'avion hein. Et le bassin d'Arcachon qu'on voit à gauche là-bas? Non, c'est le bassin, le lac de Ourthain. Ah oui, il y a bord le lac effectivement, oui. Voilà. Avec à l'extrémité nord toute une zone militaire. Ouais. Comme on disait, c'est la marine. Oui. Voilà. C'est l'ancien centre d'instruction navale. Voilà. D'ailleurs, tous les MADAF qui ont fait leur service militaire dans les années 80 à 90, 2000, ils le faisaient là. Ouais. Et les engagés le faisaient à Kerkeville, à côté de Cherbourg. Ouais. Donc quand on aura... quand on sera quasiment au bout du lac de l'étang d'Ourthain, qui en fait est l'étang de Carcan, parce que les deux se connectent, on se mettra en descente à 1000 pieds. D'accord. Pour arriver sur la canoë à 1000 pieds. Tranquille peinard au-dessus des flots. Ah ouais, on a 118, 105. On a 20 nœuds dans les fesses là. Non, 15 nœuds dans les fesses. Hein. 15 nœuds. Ouais. Donc t'as mieux. On a 120 nœuds en vitesse seule là. Donc ça envoie du pâté, hein. C'est bon. Donc réel estimé pour l'arrivée. Est-ce qu'il me l'a mis en plan de vol? Non. Il me l'a mis dans. Ah putain, ouais, il est pas réglé le truc. 40 nautiques, ben 40 nautiques à 122, ça fait 20 minutes. Hein. Donc dans 20 minutes, on est à Arcachon, les gars. 20 minutes, donc ouais. On sera au sol. Contre 30 minutes avec l'intégration. 10, ça fait où, ouais. 30 0 minutes, de regard. Ça fait combien de temps qu'on est parti, là? Tout à l'heure, j'ai regardé, la caméra, elle tourne depuis 55 minutes. Enfin, il y a quelques minutes, ça va faire une heure, là. 9h50, moi, j'ai noté. Donc ça fait une heure, on aura mis une heure et demie. On a mis une heure et quart, mais bon, on s'est fait plaisir, hein. On a fait Fort Boyard, on a pris le chemin des écoliers. Hein. Ah bah là oui. Bon, il y a un espèce de truc là. Ah, les bunkers, il y en a quelques-uns qui sont dans l'eau maintenant. Ah oui, tiens, il y en a juste là aussi. Là, ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais. Pourquoi elle croirait que je suis parti avec ma secrétaire en vacances? Parce que je lui ai fait le coup, quand même, pas fait le coup. Mais tu pourrais m'envoyer des photos de tes amis? Ouais. Ah ouais? Ouais, vendredi soir. Bon, ben pour rigoler, toi, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Tu sais quoi? Elle me dit, tu peux envoyer des photos de tes amis? J'ai dit, je les mets toutes ou pas? Là, il n'y a pas de coupure, hein, le montage, là. On va légèrement se décaler un peu de chouille parce que du coup tu vois on a un petit poil sur la zone à la cul là. Voilà. Ben, on n'est pas non plus. En fait je redresse constamment parce que j'ai une dérive, je vole un peu en crabe. Ben ouais c'est ça, hein, c'est. Gestion de la dérive, c'est nickel. Parfait, tant que t'as un point visuel, c'est facile. Tu gères. Hein. Alors là, on n'est pas vraiment véritablement sur du VSV. Mais on voit que quand même on a une visibilité horizontale qui n'est pas infinie. Un horizon, là c'est pas ça. Si tu regardes avec ta droite là, ouais, ouais. Eh ben pas facile hein. Non, non mais c'est ce qu'il disait, dès que t'as envie de te faire peur, tu fais un 90. Ouais ben je le fais pas. Hein. Si on était allé en Corse, on aurait eu ce parent sur la traversée. Hein. Ouais. C'est courant que la brume confonde le ciel et l'eau. Bon, ce qu'on avait essayé de faire quand on avait fait le vol en Angleterre là. Bon après sur le Cibu c'est très compliqué à simuler. Tu vas là la base d'Ourthain à gauche. Pour contacter Marmande afin d'intervenir de notre arrivée à la verticale. Tu vois, tout à fait au bord du lac. Pas prouvé, rappeler un il y a des bâtiments, on les voit pas trop, il y a une pylône, il y a des bâtiments. Mais c'est la base d'Ourthain ça. Je vois vos uniformes, j'ai maintenant un contact radar. Voilà, base militaire.
Mike Golf, bravo uniforme, j'ai maintenant un contact radar. Bravo uniforme. Oui, bravo uniforme, vous êtes maintenant identifié. Ah, c'est bon, c'est là. Hey, il est grand ce lac, hein. Ah, le lac Bourtin, il est immense, oui. Technologie quand même, hein. T'envoies des photos à ma femme, tu dis ah putain c'est bien et tout, vous faites. Tu es sûr que tu ferais du streaming là, tu sais, tu diffuserais sur le forum en live, hein. Ah ben là oui, dans quelques années on pourra le faire, ouais, certainement, ouais. Bah avec tu sais non mais hein? Tu peux le faire déjà, non mais attends, c'est même pas dans quelques années, c'est maintenant, hein. Oui, tu prends l'application qui s'appelle Periscope et ouais. tu filmes et tu diffuses en live, hein. Ah ben c'est très tard. Bon ben pour l'année prochaine faudra prévoir un truc comme ça. Les footballeurs du PSG bourrés qui aiment bien Telegram. Ouais. Bon ben à méditer, hein, Phil. Ouais. Ça fera un moyen technologique supplémentaire. Bah tu sais, ils vont commencer à sortir la 5G, tu vas voir, ça va aller vite, hein. J'utilise déjà pas la 4G à fond, moi. Ouais, mais pour ce type d'application. Ah ben là oui, c'est sûr. Bien, c'est noté. Y'a Benoît qui me dit qu'il nous voyait pas sur Flight Radar. C'est l'appli. Ah oui, je pense que c'est parce qu'on n'a pas déposé plan de vol en fait. Ah oui. Là il y a une zone de radar à gauche, hein. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais... Regarde, il y a le radar des antennes. Ouais. On dirait un pas de tir de fusée d'ailleurs. Ah merde, comment ça s'appelle? T'as un centre d'essai des landes. Ben, c'est peut-être là. C'est peut-être là en fait. Hein. Donc il doit y avoir du suivi à ce niveau-là. Hein. Ouais. Allez, on se met des centaines, on arrive au bout du lac, ouais. Faut qu'on soit à 1000 pieds à celui-là. Bon, on attend, hein, on est là, tranquille. Bon, on se met à 300-400 pieds. Fox Tango Novembre, on vient de passer le lac Doucoutin. On descend 1000 pieds comme demandé pour effectuer le transit jusqu'à Arcachon. Oui, Tango Novembre, vous avez encore une quinzaine de nautiques jusqu'aux zones de Cazaux, donc la descente à convenance. Il faudra être à 1000 pieds. Juste après le lac de la Canon. Ok, super. On y sera, monsieur. On respecte les hauteurs. A tout à l'heure. Voilà. T'as vu, il y a des gens qui marchent sur la plage là, tu les vois? En bas là. Ah oui. Mais ils viennent d'où, hein? Là, il n'y a pas de route. Ah, Christiane, Juliette Québec, bonjour. Ah oui, tu as raison, il y a un village de vacances. C'est Juliette Québec, bonjour, j'écoute. Oui bonjour, c'est le Fox Juliette Uniforme, Juliette Québec, un ULM 3 axes en provenance de Bazas à destination de Biscarrosse avec 7000 au transpondeur et une personne à bord. Fox Juliette Québec, transpondeur 1230. 1230. On est pas mal du tout dans cette affaire, ça me va bien. Hop, le resto est réservé, GG m'a dit que c'était bon. Claude est dans les bouchons, en voiture. Il vient de faire le coup à la caméra là. Il est en train de faire encore. Tu le verras. Tu sais combien d'heures il fait chaud là. PNB parmi nous. Yes. Ah, qu'est-ce que t'as dit là? Quand t'as dit PMB, il y a un truc qui a frissonné en moi là. Un machin qui a remonté le long de l'échine. Et je vole en crabe. Ah bah c'est bon, c'est normal. Il faut voler en crabe. Ça veut dire que tu tiens bien ta dérive, tu vois, parce qu'on reste parallèle à la côte pour l'instant. Ouais. On mange pas le sable. Donc t'as bien une dérive. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le cap du... Comment dire? Ou la route, plutôt. Ouais. La route qu'on devrait prendre. Et le cap que l'on a. Donc le cap que l'on a, on est quasiment en 75. Voilà. Et la route, moi je dirais que c'est au moins du 190, quoi. Donc ah, on a, et plein sud là.
Voilà, on a 15 degrés de dérive. On a une belle houle dessous là. Donc 15 degrés de dérive. On ne sait pas d'où vient le vent vraiment. On peut déterminer déjà le vent de travers que l'on a. On a plus de 22. Donc on est à 122 grosso modo. 122, facteur de base de 0,5. C'est ça, moi. Ouais. Non, c'est assez amusant comme pilotage. Donc ça doit faire un vent de 10 nœuds, à peu près un peu moins de 10 nœuds de travers. En travers pur, on a 10 nœuds, quoi. Un peu plus. Moins, même. Hein? Aquitaine, de Fox et Cozulu. Je dirais plus, toi? Ah oui. On a un plein travers avec 10 nœuds. Fox et Cozulu, écoute. Ça fait 5 degrés. Oui, un DR480. Oui, nous venons de quitter avec Caso, donc Fox Hotel, Novembre et Cozulu. Et nous sommes partis de Air sur la Dour à destination de Bergerac. 3 personnes à bord et 7000 au transpondeur. Oui, Cozulu, j'avais vos éléments. Transpondeur 1234, comme tout à l'heure. Et vous étiez en fréquence avec qui avant de passer avec Caso, avec Biarritz? Avec Mont-de-Marsan. D'accord, donc personne ne vous a dit de passer avec Caso et ça s'est bien passé sur la fréquence avec eux? Caso, non, hein, Caso, non. On avait fait Mimizan et Viscarotte, mais Caso, non, monsieur. Oui, d'accord. Donc effectivement, les prochaines fois, ils ont de nombreux trafics là, dans ces zones-là, en entraînement des avions d'armes grande vitesse. Donc il est nécessaire de les joindre. Oui, je suis désolé, hein, monsieur. Oui, c'est vrai. Cozulu, 234 au transpondeur. 1, 2, 3, 4. Donc c'est Cozulu. 6-1 de l'Ombre Kilo. L'Ombre Kilo, je vous écoute. Et au travers de Saint-André, proche de ma base de retour, je demande à quitter la fréquence. Un kilo reçu pour info, un trafic en tour de piste à Ivrac, un DR400, il est actuellement secteur au sud de votre position, là, dans vos midi, pour 7 oui. Nautiques, 500 pieds bas, vertical Ivrac. Oui, c'est bien reçu, merci. Donc sur la gauche, kilo 327000, vous pouvez quitter, au revoir. Sur la gauche, on a les temps de la voie. Ouais, on est en train de terminer, là, ouais. Aquitaine Info de Fox Golf Romeo Eco Papa, bonjour. Fox Golf Romeo Eco Papa, bonjour, j'écoute. ADR400, donc Fox Golf Romeo Eco Papa avec deux personnes à bord au décollage de SOCAT. On arrive sur Sierra Eco, 17 ans. Au Novembre Hôtel, on fait un vol vers le nord du Mario. Ouais. Eco Papa reçu, transpondeur 1230. Voilà. 12-30 au transpondeur, Eco Papa. Ah ben là, 300 mètres, on voit la différence. Tango Novembre. Ah, tu passes le chantier là. Vous souhaitez passer à Arcachon dès à présent ou vous voulez rester avec moi en fréquence encore? Écoutez, on aperçoit le passé d'Arcachon, on va rester en fréquence avec vous encore quelques minutes. Je suis sans problème. Vous voyez, on a de la brume de mer là, vous voyez devant? Ouais, voilà. Continue à descendre là? Ah non, surtout pas non. Ah ouais, parce que on reste à 1000 pieds là. Ah mais là je suis obligé de tirer là, le trim il doit être. Alors on va le régler comme ça. Ouais. Donc là on a passé la canole, on voit l'Arcachon. Devant nous on voit qu'il y a de la brume de mer. Ouais. Ça fait comme du brouillard. Donc on voit qu'à droite c'est bon, à gauche c'est bon. Donc dans le pire des cas, si on se laisse surprendre, on s'échappe. Toujours garder un échappatoire. D'ailleurs sur la TM6 ce matin, enfin celle de 6h en tout cas, il y avait brume, brouillard même. On va reprendre les 200 heures. En tout cas, bravo, Tango Novembre, j'ai vite 1h31 qui commence sur la côte atlantique d'ici 2-3 nautiques. Excusez-moi, vous avez été coupé, je n'ai pas entendu le début de la communication. Donc, Tango Novembre, évitez la R31 ou appelez Caso sur 119.6 pour rester sur le trait de côte. Ok, c'est bien pris, on appelle Caso. Vous pouvez repérer la fréquence, s'il vous plaît? Alors 119.6 et transpondeur 7000, bonne journée. 119.6 avec Azo, merci monsieur, bonne journée, au revoir. C'est toujours un peu merdique là, la radio, hein. Capte super mal. Alors on va appeler Caso. Caso, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, Caso, bonjour, je vous rappelle. Bon, j'espère qu'il n'y a pas nous envoyer péter à Péta ou Schnock. Trop trimé en descente là. Trop trimé en descente. Non, je suis. Ouais, voilà. Non, soulage un peu. Tango Novembre, je vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur. Fox Golf Bravo Tango Novembre, 16172, 3 personnes à bord. En provenance de La Rochelle, à destination de Arcachon. On est actuellement à 800 pieds, mer, en transpond de 70-00. On est sur le trait de côte. On a le lac d'Arcachon en vue et on vient d'être libéré par Aquitaine. Le lac d'Arcachon, c'est un grand lac, ouais.
confirme, on est au nord du lac d'Arcachon, on vient de passer le lac de Lacanau. Sur le trait de côte. Il n'y a pas de souci, affiché 70-51. 70-51, Fox Tango Novembre. Ouais, on reprend parce que là il faut que tu le tripes correctement. Oui. Là. Ah oui, c'est ça mon problème. Passez-moi la destination, pardon, Tango Novembre. Arcachon, Lima Fox, Charlie Hotel. Provenance, Lima Fox, Bravo Hotel. Ça marche, c'est bien poursuivi sur le côté. Vous me rappelez, approchant la dune du Pila. Approchant la dune du Pila. On poursuit sur le côtier et on rappelle, approchant la dune du Pila, Fox Tango Novembre. C'est correct. Je suis toujours un peu tendu avec les militaires parce qu'ils sont assez rigoureux dans leur façon de travailler. Et eux, si tu veux, s'ils voient que t'es hésitant à la radio, s'ils voient que tu fais n'importe quoi ou que tu suis pas les instructions, ils dégagent. Ils ont le droit, hein. Je dis, elle va jouer ailleurs, tu reviendras quand tu seras plus grand. Ouais, tu avais raison, c'est... Mais tu peux le toucher le coup. Ouais, mais bon... Mais non, ben, ça risque rien. Mais c'est parce que je t'ai mal expliqué, en fait je voulais dire, ouais, soulage le trim parce que... Exactement. Je devais tirer comme un malade. Et cette histoire de radio qu'on capte super mal, c'est hyper désagréable, hein. Pour le coup, c'est vraiment chiant. Donc il dit, approchant la dune du Pila. Alors la dune du Pila, on sait où aller. On a l'entrée du bassin d'Arcachon qui est devant nous. Ouais. Et la petite colline qui descend vers la mer, ben c'est la dune du Pila. D'accord. Voilà. Donc nous on va rester sur le pré de côte, évidemment. Et on ira passer par la passe en fait. On va rentrer comme si on suivait l'eau. À aucun moment on va couper la terre là. D'accord. Sinon on va couper le cap ferré, c'est pas génial. Donc là on est. Je vais vous à la minute de largage. Je vais tout préparer les fonds. Là c'est vraiment la petite partie un peu délicate de la navigation où il faut vraiment faire les choses pour éviter justement qu'on se retrouve à être derrière l'avion. Derrière l'avion ça veut dire que tu n'arrives pas à suivre le mouvement et t'as toujours un temps de retard, ça il faut surtout pas. Bon après il n'y a pas mort d'homme hein. Mais bon, on peut éviter de rentrer dans les zones militaires avec pas la peine de les rendre nerveux pour rien. Voilà, exactement. C'est pas une histoire d'avoir une infraction, c'est juste de faire les choses comme il faut. Voilà, on a 800 pieds, 800, 900, c'est parfait. Il faut, c'est pas dépasser les 1000. Moi, je préfère être 100 pieds en dessous qu'un 100 pieds au-dessus. Ouais. Voilà, on suit le trait de côte. Ça va pour filmer, Pascal? C'est impeccable. Super. On va rester comme ça. Régale des yeux. La dune du Pila, tu vois, on la voit, ouais, on la voit là-bas. Ouais. Allez, on va pouvoir l'appeler. À la rigueur, il faudrait peut-être 100 ou 200 mètres sur la droite. Ça sera je pense qu'on va faire une finale directe parce qu'on va se poser face à la terre. Donc on fera pas de vente arrière. A mon avis, ça va être la 07 en service. Hein. Fox Tango Novembre, on arrive sur le Cap Ferré. 800 pieds mer, on a la dune du Pila en vue. Oui, rappelez-moi en approchant la dune du Pila, s'il vous plaît. Excusez-moi, on vous appelle approchant la dune du Pila, Fox Tango Novembre. C'est ça. Je voudrais être un peu plus poli que d'habitude, hein, parce que bon, pas les contrarier les gens. Bon, c'est que leur boulot, tu me diras, mais... Ouais, ils ont quand même du trafic sensible. Voilà, les mecs, ils font du boulot pro, toi t'es là en balade, c'est pas la peine de les faire chier, quoi. Ils ont autre chose à faire. Même s'ils font que leur taille. On la voit la dune, hein, là, on peut pas la rater, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Et tu la vois, c'est la zone jaune, hein, sur la gauche. Hein. Donc moi, ce que je te propose, je te remontre la carte d'un dernier coup, que tu la visualises. Ouais. Bon, on suit le trait de côte. Hein. Ouais. Et quand on aura passé la langue de terre, ouais, on prendra comme ça, et on ira chercher normalement une finale. D'accord. Sur Arcachon. Donc Arcachon, la fréquence, je l'ai pré-réglée, c'est 119.075, parce que ça va aller très vite. Hein. On va aller quitter eux et on va basculer de suite avec Arcachon. D'accord. On va être quasiment en finale. Ouais. Donc faut aller vite. Hein. Alors si c'est de l'auto-info, logiquement il faudra faire une roco terrain quoi. Tiens Phil. Oui. Oui. Arcachon, c'est juste en dessous de côté. Hop. Juste à vraiment à la limite. Voilà. Exactement. Donc on va bien passer le point 01 là et. Ouais. En fait, on passera jamais au-dessus de la Terre. Ouais, d'accord. Voilà. Et on ira chercher. Mais par contre, dès qu'on a passé la Terre, faut bifurquer. Exactement. Ok. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais le préparer en avance. Je vais rentrer mon OBS. Je vous expliquerai ce que je suis en train de faire après. C'est une... Merde, j'ai déjà oublié, tu vois. Putain, ça fait 12 fois que je regarde la carte. Une 25. Hein. En fait, je suis en train de matérialiser sur ma carte. L'axe de piste d'Arcachon. Alors le GTN il le fait tout seul. Le GTN quand tu fais direct sur un terrain, t'as le track, mais t'as des petits pointillés. Ouais. Bon, le GNS il fait pas, c'est plus vieux. Alors le GNS tu fais un directo sur le terrain, et après tu utilises la fonction OBS. Et tu mets
mets le QFI de la piste et là tu as matérialisé l'axe. Voilà, comme ça pour aller intercepter l'axe correctement. Parce que j'expliquais hier. Remets-le, Phil. Remets-le. Je te le remets. Ouais. Avec un serrage 5000 en descente, à tout de suite. À tout de suite. Voilà. La fonction ici OBS, j'ai rentré le QFU de la piste. Donc on a un trait qui part de part et d'autre du terrain, qui matérialise physiquement l'axe. Donc l'idée, ça va être d'intercepter cet axe. Parce que le risque, c'est qu'on risque d'overshooter la piste, soit avant, soit après. Ouais. Là, en faisant ça, on a une aide supplémentaire. Ce que j'expliquais hier, c'est que le GPS, c'est génial. Si on ne sait pas s'en servir, on l'éteint. Parce qu'on fait plus de conneries qu'autre chose. Bon, moi j'ai appris à m'en servir, même si je ne maîtrise pas tout. Voilà. Bon, la ligne de pila est en vue. T'as dit approchant. Donc je pense que approchant, c'est quand tu vas faire le petit virage. Ouais. Après, il est probable que sur l'écran radar, il va nous visualiser. Et du coup, il va nous dire, messieurs, vous passez avec Arcachon, 119.075. Je vais réduire la vitesse parce que là, on arrive à 119. Pour l'instant, on garde la vitesse. Ah, on le voit bien le passé. Baladeur. Ouais. Avec le phare de Cap Ferré. Le phare là qui est modélisé aussi sur Flight. Et le bon courant là-bas là. Ouais. Ah oui. Cette espèce de brume de mer aussi, tu vois. Ouais, ouais. On sait pas si c'est du sable qui soufflait ou quoi. À mon avis, c'est de la brume de mer. Oui, oui, ça a l'air. Hein. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, elle est toujours pareille, quoi. Ouais. Elle nous suit, en fait, donc elle est permanente. Ouais, ouais. Alors que quand c'est des courants de sable, une fois que tu les as passés, quoi. Alors, attends, je vais regarder la carte une dernière fois. Pas l'habitude du glass cockpit, où on a toujours tout sous la main. Et ces putains de cartes papier, faut reprendre ses habitudes, hein. Oscar unité. Fox Tango Novembre, on passe Oscar unité, 900 pieds. On reçu Tango Novembre. Voilà, ça c'est carré, le B qui s'est mis. Tango Novembre, j'ai pas de trafic à vous signaler, vous pouvez passer avec Arcachon, au revoir. On passe avec Arcachon, merci monsieur pour le transit et bonne fin de journée, au revoir. Merci monsieur. Arcachon, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Arcachon, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, 16972. Trois personnes à bord en provenance de La Rochelle. Destination de vos installations libérées par Cazo. On passe le point Oscar unité, 900 pieds. Et on est en fréquence avec vous. Seco, je te rappelle. Tango Novembre, répétez votre mission. 172, trois personnes à bord, provenance La Rochelle, à destination de vos installations libérées par Cazo. On passe le point Oscar unité, 900 pieds QNH. Et on est prêt à venir chez vous. Et j'ai rappelé Whisky pour la 07 en service, QNH 1021. La 07, hein. Donc QNH 1021, la 07 en service, et on rappelle Whisky, dans le rembain. Et Golf Echo Arcachon, rebonjour. Pourquoi on prend la 0? Je comprends pas, là. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, Whisky, ok. Bux. Bux, oui, Bux. Whisky, c'est là. Et tu fais le petit virage qui va bien. Sans manger. Ouais, ouais, ouais. Voilà, sans. En fait, on va rester vraiment sur le. Ça, là, retour Whisky, ouais. Et Golf Echo, tu peux rouler pour la 07 1021 au QNH. Bonjour à toi. Bonjour, le pont Whisky. Le pont Whisky, c'est juste après la dune, je te dis des erreurs. C'est dans le prolongement comme ça. C'est dès que le sable s'arrête de la dune. Ouais. Voilà. T'as vu, il y a juste un petit nuage. Non, je suis devant juste pour. Ah ouais, tu vois, c'est marrant ça. Excellent. Voilà, tu fais ton petit virage, on va. Ah ouais. Pascal va pouvoir après se faire plaisir avec la dune du pilote. Ah bah, voilà. Il vient de lancer le cap, donc. Là, il y a des bunkers, un peu tu en vois là. Ouais. Ils sont en train de faire glou glou grave, on va rester. Par contre, on va maintenir vraiment, on va mettre le phare, la fuel pump, on va réduire la puissance moteur, on n'est pas pressé, on va faire une approche tranquille. Hein. C'est la première fois que je viens, donc je ne sais pas trop comment est la config du terrain. On va pas arriver trop vite. Hein. Voilà, on passe le cap ferré, le pilat en face. Hein. On va se mettre un petit cran volé, voilà. Donc le cran volé fait qu'on va falloir compasser l'avion, sinon il va grimper. Voilà, je te laisse prendre. Allez, on fait comme ça, c'est parfait. Je te le reprends. Ouais, vas-y. Allez, on passe le point Whisky au trait de côte. Après, la piste, tu vois, d'où l'intérêt, tu vois, d'avoir mis ça. Là, trouve le terrain, là. Ah, l'air, on le voit pas, là. On voit pas, hein. Je vais ouvrir au maximum, parce que c'est... Bien sûr, on est en vent par ailleurs 07 pour péter ou un toucher solaire. Reçu, rapide, dernier virage.
Donc on a un trafic dans le circuit peut-être. Voilà, ouais. Dans le circuit. Exactement. Tu envoies le trafic, on verra le circuit. Pour toi, tu le vois. Tu la vois bien. Ouais. Donc on voit bien la ville à gauche. Ouais. C'est-à-dire en termes de trafic, on voit que dalle. Hein. Ouais, va le trouver l'aérodrome. Je me demande si c'est pas ce qu'on voit en face là-bas, mais je suis pas sûr. S'il est en vent arrière, on verra peut-être son phare. Ouais. C'est con, au point, bravo. Et reçu et le vent. Ça, du utile, nord quand même, ça. Une... Ouais. C'est con, ça pénètre pour la. Alors voilà. Et en qui nous va demander un virage PT pour un toucher sur l'air. Il fait péter. Alors, Link Takeoff pour Golf Echo, le vent du Nord Sino. Tango Novembre, on passe le point Whisky. Tango Novembre, on rappelle vertical Novembre pour une 07 main droite avec un ULM en tour de piste en courte. On rappelle vertical le point Novembre et on n'a pas visuel mais on reste vigilant sur le trafic en circuit. Bon, le point Novembre, donc il va me faire quoi une. Une verticale ou quoi? Hein? Là, ça fait dit, main droite. Ouais. Bon, le terrain il est là. Là, on il peut est pas. Là, là-bas quelque part. À droite, tu le vois? Ah, là, d'accord. Voilà. Okay. Ouais, okay. Donc, je vais chercher le point Novembre qui est juste là. Ouais. Et à mon avis, on va faire tac, 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 tac. Hein. Ça va être gros par haut. Ouais, d'accord. Donc, vous pouvez pas arriver trop haut. Bon, la piste est longue, donc il n'y a pas de souci. Donc là j'ai mis mon crâne volé, comme ça je suis dans une configuration vent arrière en fait. Ouais. Tu vois. Là j'ai mis la pompe, ouais. Tous les phares sont allumés, un crâne volé, je suis à 80 nœuds. Donc là je suis en config vent arrière, même si je suis pas du tout en vent arrière. Mais comme la vent arrière, elle n'existe pas, en réalité on devrait être dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Donc là on est comme si on était en vent arrière. En devant on va se mettre en base et après on va se poser. Le terrain c'est ce que je vois en vert à droite. Ouais ouais, c'est ouais, ça. Ouais c'est là. Voilà. Mais... C'est vraiment une approche, je comprends que les gens ils aiment pas trop. Je voudrais qu'on vente arrière pour le Sierra Delta. Quand tu es jamais venu, c'est. Fox Tango Novembre, on approche Novembre 800 pieds. Visuel sur le pendulaire en fin de vente arrière. Négatif, Tango Novembre, on ouvre l'œil. Vente arrière vers Sierra Delta et un ULM manteau de piste en vent traversé. Juste à droite, deux doigts au-dessus de l'horizon à droite. Ok, on a visuel sur le véhicule pendulaire. Je rappelle où, Tango Novembre? Je vous rappelle fin de vent arrière, main droite 07. Fin de vent arrière, main droite 07, Tango Novembre. Ben, c'est vraiment un circuit à la cul, ça. D'accord, bah ben, écoute, on va faire comme ça. On va faire une espèce de S, alors. Tango Novembre, vous surveillez le trafic Novembre vers la fin de vent arrière? Alors, c'est un coup. C'est donc on a un début de vent arrière pour un toucher sur l'herbe. Ok, vous voyez la piste à droite, hein? Ouais. Parce que Golf Echo, ça passe avec Cazo. C'est vraiment bizarre comme approche. Tango Novembre, je vous ai pas en vue. Oui, bah écoutez, moi j'ai le terrain en vue, là j'arrive travers seuil 07 sur une sur un, on pourrait dire un vent traversier pour le coup. Ouais, ça y est, je vous vois. Et bien, vous pouvez récupérer la fin de vent arrière main droite et vous avez un ULM mi-vent arrière. C'est bien pris, Tango Novembre. Tu le vois l'ULM ou quoi? Tous les trafics, les modélistes sont actifs. D'accord, c'est bien pris. Non, par contre, Tango Novembre. C'est bien pris, Tango Novembre, on a perdu en visuel le trafic qui était en fin de vent arrière. Et là, je vais dépasser l'étape de base. Là. Vous allez trop loin, vous allez survoler les agglomérations. Eh oui, je sais bien, madame. Milou, ce pendulaire de merde. Je le cherche, je le cherche. Pas de visuel. Ah, moi je le vois pas. Ça y est, il est à gauche là-bas. À gauche truc, à gauche, ouais, au-dessus de la verticale de la sortie de piste. Ok. Dans ton alignement d'aile, là, tu vas le voir. D'accord. Vous pouvez mettre derrière le trafic en fin de vent arrière. Fox Tango Novembre, on est fin de vent arrière, on a visuel sur le trafic. Devant nous. En intégration, on ne fait pas de vent arrière au nord. Il faut récupérer la fin de vent arrière au sud. Vous vous mettez derrière le trafic, fin de vent arrière, main droite, 07, en main droite. Main droite. Mais comment tu peux te mettre en main droite quand? J'ai perdu le visuel. Bon écoutez, là je suis en main gauche, pour mettre en main droite, il faut que je passe à l'axe de piste. Eh bien, vous voyez le trafic en fin de vent arrière? Le vois ou pas? Ouais, il est à droite là, ouais.
D'où à droite, droite. Trafic en plein devant arrière, main droite, vous vous alignez derrière. Ok, c'est bien pris, Tango Novembre. Normalement, on traverse pas la piste, mais là, vous pouvez virer à droite pour récupérer la somme intérieure, main droite. C'est gentil, merci madame. Ouais, c'est un peu le bordel, quoi. C'est bien ce que je vois. Je comprends pourquoi les gens ils viennent pas. Hein. C'est parce que j'ai toujours pas compris comment c'est. Il faut virer maintenant. Ok, c'est bien pris. Putain, la gueule, con. Ok, il est quelque part sur nos avant à droite, je pense. Là, je le vois pas, mais... Ah ouais, il est en bas. Modélisme, tu as du modélisme en bas. Ça, ouais, c'est bon. Modélisme en dessous, là, ouais. Ok, il est en face, là. Ok, bah tout droit, tout droit. Il est là-bas. Tout droit. Ok, on a visuel sur le trafic qui se présente en finale. On est en fin de vente arrière main droite, Tango Novembre. Vous assurez l'espacement avec le précédent et vous rappelez base main droite. Belle bonne main droite, Tango Novembre. On assure l'espacement, bien entendu. Merci, madame. Ok, ça va faire un virage serré quand même. Hein. Alors faut que tu dégages sur la gauche un peu peut-être. Mais vu combien il est lent lui, je vais te dire, ça va être chaud. Hein. Et donc ah, il est vraiment en finale le 074 pour un touche. 340 degrés, 80. En venant de là, sans passer les axes, je sais pas comment tu peux trouver en arrière main droite. Hein. Il va falloir qu'on m'explique. Hein. Bah, j'ai pas tout compris. Hein. Bref, allez, on a récupéré notre truc. Par contre, il est tellement lent lui qu'il va falloir que je... Que j'arrive à ben remarque qu'on aura vu la dune depuis là sur tous les ans. Ouais, ouais. Pas évident l'approche de ce terrain là. Non. Pas trop. Ouais, il est sur l'herbe lui, c'est bon en fait. Ok. J'ai pas tout compris la subtilité, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, Arcachon du Delta Echo Sierra Lima Victor, bonjour. La Victor Arcachon, bonjour. Bonjour, c'est le Lima Victor, un Aquila au parking club, deux personnes à bord pour un tour du bassin avec une sortie par Echo et un retour Whisky. Et ça roule pour la 07-1021 au QNH avec les modélistes actifs. 07-1021 et les modélistes actifs, Lima Victor. Donc c'est un bon, on est en finale 07, point complet. Et donc pour Tango Novembre, le vent du nord 4 nœuds. C'est bien pris, Tango Novembre. On atterrit piste 07. Dur. 07 dur. En fait, c'est un agent à fils, quoi. Donc du coup, je comprends qu'elle me donnait pas d'instructions, en fait. Je comprends un peu mieux. Ça y est, je viens de réaliser. Moi, j'étais parti sur un contrôleur. Voilà pourquoi elle nous a pas vraiment dit où tu peux les passer. D'accord. Eh ouais. Elle peut pas t'imposer un circuit. Tu peux pas te retrouver en pente arrière main droite quand t'arrives de la gauche, voilà. Oui, c'était bizarre. Je comprends pas là. Ah là. Ah là, il y est l'avertisseur décrochage. Ouais, on l'a bien entendu. Il a couiné. Ah, je peux pas. Roulage à la roulette. Hein. Ah, j'étais à la bonne vitesse et j'étais en limite. Oui, il y a peut-être un peu de. C'est lui qui nous l'a débridé, l'avertisseur ce matin de décrocher. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu l'as débouché quoi. Il était bouché, ouais, c'est ça. Tango Novembre, c'est contrôlé. Est-ce qu'on peut remonter la piste? Ah, il est sorti en fait. Vous sortez à la prochaine gauche. C'est bien pris, madame, on sort à la prochaine gauche. On expédie. Vous restez combien de temps? On repartira dans l'après-midi, milieu d'après-midi. Si vous avez le temps de passer à la tour, on débriefera, on vous montrera l'intégration. Ah, firme, je serai tout à fait preneur, oui. Avec plaisir. Gentil, merci beaucoup, madame. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est génial, que... Ah ouais. Ah bah tu sais, après, eux c'est des passionnés, les agents en fils. Ils sont là pour te faciliter le truc, mais alors qu'on m'explique comment le point novembre il est là, de ce côté-là, que nous on doit se reporter vent arrière de ce côté-là, sans couper les axes de piste. Alors, j'aimerais savoir comment tu fais quand même. Hein. Je suis curieux. Bien qu'il en on est en dernier virage PTU pour un complet sur l'homme. Surtout qu'en plus, ils ne peuvent pas passer sur l'agglomération. Ben ouais. 350 degrés, 4 nœuds, rappelé et contrôlé. Ce qui est pas très logique, si tu veux, c'est que nous on est arrivé sur une longue finale. Tango Novembre, vous pouvez vous mettre à côté de l'avion bâché sur l'herbe.
Bien pris, madame, on se mettra à côté de l'avion bâché sur l'herbe. Fox Tango Novembre. Mais en fait, pour eu un vrai contrôleur, enfin, vrai, c'est pas faux, mais avec un contrôleur, il m'aurait directement intégré, surtout que le pendulaire il était loin, directement sur une finale, moi je m'attendais à ça. Hein. Je m'intègre sur une 07, on arrivait à la du pilote. Ouais, en direct. Ben peut-être parce que justement il était en tour de piste lui. Ah tiens, il est en train de revenir, vous avez vu? Ouais, ouais, en fait il est sur la piste. Je viens sur votre droite. On a bien vu, merci beaucoup madame. Tiens, allez. On va le filmer à l'arrivée. R22. Moi, je chante patate que le... Ouais, c'est le Lima Victor, en bravo, on est prêt. Lima Victor, vous pouvez commencer à vous aligner, on laissera traverser l'ULM. Ok, je suis remonté. Okay. On est à 163. Merci, c'est contrôlé pour traverser. Allez-y. 9 et il est... 22. Oh, 1h30. Ça va ? C'est bien, correct, hein. 1h30. Excellent. Ouais. Excellent. Très bien. Et, on en a profité. Et superbe comme vol. Ah ouais, on s'est régalé là. Ouais. Fox Tango Novembre, on est au parking pour quitter la fréquence 1. A tout à l'heure. On passe par la porte que je vois en bas au niveau du terminal, c'est ça? Tout à fait. Super, à tout de suite madame. Allez. Il va me dire, putain l'autre il va venir, il va me crier. Non mais non. Ah. Qui n'aura pas libéré la piste pour le retour parking. Monsieur ? Je comprends pourquoi Bruno il a dit ouais, Vandernos c'est mieux machin. Ah ben oui, je comprends que l'approche ici c'est un peu spécial quoi. Par contre, moi l'ULM, à part là en finale, je le voyais pas. Hein. Ouais, moi non plus, je voyais pas, franchement. J'avais tellement anticipé le fait que